Yo les amis, c'est JustTeam. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on continue la suite de Darko. Donc, comme dernier épisode, on s'est arrêté. On était au niveau du Underground. Underground Laboratory. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, effectivement, tout de suite, sans prendre de temps, sans prendre de tout, sans prendre de rien, on repart aussi vite. Parce que je peux pas sauvegarder et je la fais à la suite, effectivement. Tout de suite, maintenant. Oula. Bah, c'est vrai que... voilà. On va tout de suite enlever ce piège, ma foi. J'ai désarmé ce piège. Donc, du scrap métal, donc... métal, quoi. Ça, c'est pas mal. Ça va pas nous être utile, tu vas comprendre pourquoi. Encore un piège à ours. Piège à ours, c'est un peu des saloperies, vous verrez. Pourquoi je dis ça? Ah non, pas de porte. Ah, une porte. J'ai failli avancer dedans. Oula, une balle, du pain, des pilules et une batterie. C'est pas mal, ma foi. Quoi dedans? Mastic. Paquet de cigares. D'accord, qu'est-ce que ça fout là? Pousse. Pousse. C'est des champignons. Je les ai pris, ma foi. Ils vont me servir à l'entrance ou le sous-sol dans les sous-sols d'Underground. Les sous-sols. S'il m'emmène ici, c'est qu'il doit avoir une raison. Je vais aller voir quand même mon sous-sol s'il n'y a pas 2-3 bricoles parce que je vous dis, il n'y a rien. Pan, 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 pan. Non, je rigole. J'espère. J'ai pas recroisé les hommes noirs. Ah. Ah. Oh. Magazine d'automobile. Ah ouais, mais il faut une source de lumière, mais j'ai pas de source de lumière. Ah, je peux en faire une. Avec de l'essence. Oh, pour la bonne cause. D'habitude, j'utiliserai pas l'essence, mais là, c'est pour la bonne cause. Oula, 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 oula. Passage est bloqué par des débris. Faut contourner. Oh, je vais pas vous mentir, on va un peu se dépêcher le cul. Là, c'est quoi ça? Ok, wesh. Ok, non, on va prendre son cul et on va se dépêcher, d'accord? Oh, qu'est-ce que c'est? Oula. Fermé, c'est mon seul chemin de portée. Je ne serai pas capable de l'ouvrir sans ma clé. La poignée de la porte est couverte de... of dust. Je sais pas, ça n'a pas été ouvert depuis au moins 2 semaines. Mettre votre oreille contre la serrure. Je peux entendre une fine voix. Appelé à travers le hublot devant quelque chose de familier. Ça semble venir du clé de la trou de serrure. Quelqu'un m'appelle. Tout autour. Oh, il y a comme une lumière. Ah, ça on dirait comme sur la photo. Mais. C'est fermé. Littéralement. Même pas, je pense. Oula, oula! Oula, 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 oula. Le chétan est dans les tuyaux. Ah, ah, il y a le chétan. Cours, cours, cours. Après les hommes noirs, les hommes rouges.
entre les hommes noirs et les hommes rouges. We will never talk to that again. Okay. On parle plus jamais de ça, s'il vous plaît. Bon, je vais déposer une partie de mon stuff chez moi. On va juste être sûr que je peux pouvoir faire une ligne droite. Ah oui, c'est vrai qu'ici, j'ai dit qu'il faudrait que je retienne qu'il y ait une caisse ici. Dès que je peux me faire de quoi me réparer, je le fais dès que je peux, les gars. Me revoilà chez moi. Oh merde, ouvre la porte! L'essence, on doit la garder. L'alcool, elle, on va l'utiliser pour faire nos lanternes. On passe par la porte. Et simple, je vous expliquerai deux, trois choses quand même après. Parce qu'il faudra que je vous dise des choses quand même. Ma foi, je vais pas vous lâcher. Voilà. Ça, c'est dans un antidote contre du poison. Donc, je vais les faire. Je vais en faire un. Histoire au moins que ça reste pas mal. Des clous. Du scrap métal. Pour l'instant, je vais pas les utiliser vraiment. Du pain, les pilules, ça, les allumettes, ça, donc simple, voilà, donc déjà, on va faire ça indispensablement, parce que c'est le truc le plus indispensable, tu comprendras, une planche avec des clous, qu'est-ce qu'on peut faire d'après toi? Une arme, ça peut être pas mal, ensuite, on va faire quelque chose que je vais pouvoir vous montrer, voilà l'utilité des champignons, voilà, deux champignons, 22 trucs, c'est un peu, j'ai l'impression, on absorbe le mauvais sang, et à mon avis, il y a moyen qu'on le recircule, quoi. Hop. Hop. On monte. On va aller visiter le coin côté là-haut. Côté là-haut, ouais, je l'admets, j'ai une solution. Mais j'ai envie de découvrir un peu, et je me dis... Dans ces eaux-là, j'ai déjà vérifié tout ça. Tout ça en haut, à mon avis, c'est vérifié, il y a juste là où il y a une caisse. Mais je dois vérifier quand même les alentours, parce que... Il y a un truc qui m'intéresse, et je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. Là, il va le trouver, bien sûr, parce que je vous garantis rien. Vraiment, c'est pur luck. Si je l'ai, c'est bien. Si je ne l'ai pas, ça me fera chier. Là, beaucoup d'arbres ici. Ah, une autre caisse. Une autre caisse. Donc, au niveau du côté de chez moi, il y a une caisse. D'accord. Bon, c'est fait. C'est localisé. C'est fait. C'est localisé. Et au moins... Voilà, un lapin. Là, par exemple, le lapin, je peux le prendre par surprise ou le courser. Ah, bah, vous voyez. Bah voyez, je vous l'avais dit, un tracteur. Et qu'est-ce qu'on trouve? Bah une batterie, un vieux tracteur, on trouve une batterie, bah de l'essence. Et au moins ça nous permet effectivement de nous faire un poids sur la situation. Parfois je me demande si les, si vraiment les mecs ils veulent nous buter quoi. Voilà, bon au début c'est vraiment très Osef. Mais... Voilà. Nice, c'est ça que je voulais vous dire, c'est ça qui va être très utile. Et les woodlogs, c'est ici qu'on en trouve. C'est ici qu'on trouve les... Voilà. C'est ici qu'on trouve les moyens de nous faire du poids. À volonté. J'ai juste besoin de ça. Et après, voilà, on peut rechercher des choses, ma foi. Après, voir est-ce que je ferai. Maintenant, j'ai besoin de trouver un autre endroit. Là, je ne sais pas si je vais le trouver sur le coup. Quoi. Ah, the Groot. Non. Oui, lors de ma première partie, j'ai trouvé un endroit que j'ai trouvé sur le coup. Et avant que j'arrête. Donc là, parce que plus ça descend, voilà, ouais. Je vais me rapprocher là-haut, mais là-haut, je vais pas y aller parce que là-haut, bah, je sais où ça mène. Ça a mené vers Silent Hood. Ça mène vers Silent Hood parce que, bon, bah, j'ai regardé la carte quand même. Hein. Pas écrit Silent Hood et on n'a pas le truc du loup juste là, mais non, on va dire que tout est nickel. Hein, tout va bien. J'analyse les bois. Oh, merde! Le bois que je viens de remarquer que maintenant. Oula! Attends, c'est quoi ça? Droite ou gauche? Là. Oh merde. Mm-hmm.
On entend comme des bruits. Non. Ça, voilà une shiny stone. Voilà, et là il y a un truc à voir, on est d'accord. Voilà, comme des clés ici. Là il commence à faire un peu noir, je vais devoir rentrer, je crois. Ouais, je vais devoir me brouiller, rentrer. Attendez, voilà, on y va. Pas une seule seconde. Vas-y, je me mets là pour la nuit. Ah, bonne blague, bah oui. Oh, par contre, ouais, attends. On va rentrer chez moi. Ça, je vais le faire parce que j'ai pas pensé effectivement à faire le tour. On irait faire le tour. Ok, nice. Bon, je vais éviter d'user inutilement mon truc. Je vais se faire un tout droit. Nice, je suis chez moi. Bon. Situation bref, pour être de courte durée. Boum. Entre chez moi par pure effraction. Les gars, je vais utiliser ma scie, hein. Je vais en profiter tant que je peux. C'est ça, je crois. Voilà. Voilà, on barricade. Bon, simple. Bref, voilà, désolé d'être aussi calme, mais j'avais besoin de me concentrer. Bon, simple. Là, la situation, je vais la vous relever en bref. Comment se passent les nuits? Comment se passent les nuits? Bref, bon, simple. Là, les nuits, c'est pire que les journées. Attendez-vous à des trucs de dingue. Simple. La nuit, c'est quelque chose d'assez, comment dire, d'assez particulier. Oui, non, c'est vrai, on est la nuit. La nuit, on peut pas cuisiner. Voilà. C'est très dangereux de cuisiner durant la nuit. C'est mortel. En fait, tout faire durant la nuit, ça, c'est mortel. Du départ, on n'est pas fou.
J'ai des balls. J'ai des balls hors pair. Il y a quelque chose. En fait, chaque son dans le jeu, ça peut parier un événement qui va se passer. Une simple musique qui change, ça peut partir vite en couille. J'en connais que un seul, je crois. Un seul, et je connais pas le reste. Parler d'Ed Savage et un événement, je connais rien d'autre. Voilà. J'ai envie de vous le dire. Ouais, tu vois, il y a quelque chose qui se balade. Mais bon, première nuit... Qui dit première nuit, dit très peu d'événements, parce que bah, les événements, tu vas pas les lancer d'affilée comme ça, hein, ça. Je vous dis, il y en a, il me provoque depuis tout à l'heure. Donc voilà. Ouais. T'as vu, c'est pas fou. Hein. Effectivement, les gars, ça met un C à trait psychologique. Bah, les gars, on va juste vérifier nos ressources et je vais terminer la vidéo là. Parce que, comme ça, au moins, on reprendra le jour 2. Je sais qu'elle est très très courte. Mais comme ça, on reprend le jour 2 direct. Et je pourrais me faire autre chose en attendant. Donc pour l'instant, vous voyez, on a un très bon début. Et pour l'instant, effectivement, on a un très bon début. Je suis assez choqué sur ce début, d'ailleurs. Un début magistral. Ah, voilà. Avant, on va faire, effectivement, le trader. Comme ça, au moins, on a du temps. On a du temps pour au moins regarder un peu ce que le trader peut faire. Un homme. Quasi de ma taille. Il reste là. Il reste tendu là. Il était là avant moi. Un peu... Je peux bon, pas vraiment. Bon, il dit, il peut pas vraiment savoir si il peut essayer de faire une quelqu'un de familier, une famille, quelqu'un qui familier qui. Il peut voir comme s'il voyait quelqu'un de familier en travers de simple visée de son casque. Son chapeau massif, son casque massif et Kovad avec un vieux sac et ça a l'air d'être une partie intégrale de son corps surnaturel. Je me souviens de lui, c'est lui qui m'a sauvé à la maison du docteur. Cet homme est venu vers moi avec ses mains noires. Il m'a couvert avec du charbon. Il y a quelque chose écrit sur son... Ah oui, c'est là. Sur son bras. Son glas sur ses gants. We need to stick together. On doit se tirer tous les deux. Ses lèvres bougent. C'est bouge.
sont étouffés à travers le masque. Il m'indiqua et retira le gros sac qu'il a et il s'est tombé sur le sac. Effectivement, Shu Item, photo de la route. Voilà, on pourra trader avec lui. Ça, ce sera la prochaine vidéo. Donc les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. C'était Justin. Allez, bisous !